Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le vois, je me trouve quelque part dans les Caraïbes. Donc tu vois que c'est un peu animé. Et j'aimerais te donner un des meilleurs conseils pour 2019. Le meilleur conseil que je peux te donner pour 2019, c'est quoi? C'est de vraiment persévérer. Quand je dis persévérer, c'est quoi? C'est de ne rien lâcher, dans le sens où tu vas voir des personnes, lorsque tu vas présenter tes projets, lorsque tu vas parler que oui, tu as envie d'investir dans l'immobilier, créer ton entreprise, voilà, avoir des activités à côté de ton travail, tu vas avoir des personnes qui vont te décourager. Et surtout, il ne faut pas que tu écoutes ces personnes-là. J'ai le défaut de trop parler, comme tu le constates, mais j'ai le défaut de trop parler de mes projets personnels à des proches. Donc des fois, quand je leur parle de mes projets, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de me décourager en me disant « Non, mais est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, etc. ?» Et finalement, c'est quoi? C'est des choses qui te bloquent, car finalement, si toi-même tu ne sais pas, tu n'auras aucun point de vue par rapport à cela. Et moi, j'ai vu, voilà, même lors du lancement de ma chaîne YouTube, il y a des personnes qui m'ont dit « Non, mais il y a déjà beaucoup de chaînes sur la thématique du développement personnel, de l'investissement immobilier. » Il y a énormément de personnes qui font cela. Et je me suis dit, bon, si j'avais écouté ces personnes-là, je ne serais même pas en train de te parler aujourd'hui dans les Caraïbes, tu vois. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai persévéré. J'ai démarré ma chaîne. On était 5, 1, 2, 3, 4. Après, on est passé à 100, puis on est passé à 1000, puis on est passé à 10 000. Et là, je prends quasiment 1000 abonnés par mois. Donc, c'est juste pour te dire que l'un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est vraiment de persévérer. Tu persévères et quoi qu'on dise à côté de toi, quoi que les personnes pensent de ce que tu fais, il faut continuer à persévérer. Moi, je peux te dire que parmi mes amis proches, je dis bien parmi mes amis proches, il y a des personnes qui se moquaient de moi lorsque je démarrais ma chaîne YouTube. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles me demandent? Elles me demandent « Ouais, mais comment t'as fait? Explique-moi, moi aussi j'ai envie de démarrer un business en ligne, j'ai envie de démarrer une chaîne YouTube, etc. » Un autre conseil que je peux te donner, c'est quoi? C'est soit toi-même lorsque tu vas faire ta chaîne YouTube. Parle de toi, parle de ton expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. J'ai arrêté de trop donner de conseils en immobilier, mais maintenant, je montre ce que je fais dans l'immobilier. Tu vas le voir sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Tu vas voir sur Instagram, tu vas voir mes stories lorsque je vais visiter des logements. Tu vas voir quand je suis en visite, quand je suis à la banque, etc. Donc, je partage mon quotidien en tant qu'entrepreneur et investisseur. Et moi, je t'invite à faire la même chose si tu veux démarrer sur Internet. C'est vraiment de partager ton expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont parler, raconter des choses, mais ne montrent pas ce qu'elles font réellement. Si tu as assisté à l'une de mes conférences, d'ailleurs, je t'invite à t'inscrire à la prochaine. Tu vas voir que moi, je montre les résultats que j'ai obtenus. Et je montre mes objectifs, les erreurs que j'ai commises. Je montre pas mal de choses par rapport à cela. Donc, moi, je t'invite également à faire de même, car plus tu vas être authentique, plus tu vas être réel, on va dire, dans ce que tu vas raconter, plus tu vas avoir des personnes qui vont te suivre et qui vont s'identifier par rapport à toi. Donc, pour récapituler, les meilleurs conseils que je donne pour 2019, c'est vraiment de persévérer, de ne pas écouter les autres et surtout de persévérer. Persévère jusqu'à ce que ça marche, en fait, jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te souhaite une très bonne fin d'année 2018, d'excellentes fêtes. Profite de la famille, profite de tes proches et prends du temps pour toi, pour te faire plaisir, comme je le fais actuellement, comme tu peux le voir. Voilà, madame juste derrière qui veut pas se montrer à la caméra. Donc voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.